Yahoo Bidibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de figurines. Alors, au moment où je filme, je sais pas combien il y a de figurines dans le carton, normalement il y en a deux, mais voilà. Donc, je t'explique vite fait. Désolée, je suis en train de déplacer en même temps les trucs parce que je viens de filmer ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc, il faut savoir que j'ai précommandé plusieurs figurines, je crois que ça devait être au mois de juillet pour la fin de l'année parce qu'il y avait pas mal de figurines en précommande de disponibles qui m'intéressaient. À savoir une figurine qui sortait le 31 octobre, une en novembre et deux ou trois, je sais plus, pour le mois de décembre. Et en fait, avec tout ce qui se passe, Covid, machin, conteneur pris en un peu en, comment dire, en otage, etc., retard de livraison et autres, la figurine que je devais recevoir, pardon, je vous ai cogné, la figurine qui aurait dû sortir en octobre, je crois que je viens juste de la recevoir aujourd'hui. Le jour où je filme, on est le lundi 27, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, on est le 27, et donc je viens de recevoir uniquement mon colis. Mais, je tiens à préciser, un, je le savais, parce que Figure House avait communiqué là-dessus. Deux, j'avais demandé après Figure House, parce que je trouvais ça un peu long quand même au niveau des délais, j'ai demandé ce qui se passait, et il m'a prévenu que donc il avait un retard. Mais il faut savoir que comme c'est sur Figure House, j'ai totalement confiance en ce site, donc le fait qu'il y ait du retard et qu'ils me disent qu'il y a du retard par rapport aux livraisons de conteneurs, etc., j'avais confiance, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça aurait pu être un autre site sur lequel j'ai commandé, précommandé plutôt, et où j'aurais pu avoir des doutes, en turloupe, c'est arnaque, etc. Mais c'est Figure House et je leur fais totalement confiance. Je te le redis au cas où, si tu ne connais pas la chanson, mais il y a un code promo qui est dans la barre d'infos de toutes mes vidéos, de toutes mes chaînes, où tu as une réduction si tu mets le code IBIOTACO dans, quand tu fais ta commande. Et voilà, donc moi ça ne me rapporte absolument rien ce code promo, mais toi ça te fait une réduction, bien entendu. Donc, techniquement, je pense que j'ai deux figurines parce que quand je vois la taille du carton, il me semble qu'il m'avait dit justement qu'il m'avait fusionné deux commandes dans un seul carton pour que ça soit plus simple et puis voilà quoi, pour lui aussi qu'il ait à payer moins de port et autres. Donc voilà, donc je vais juste l'ouvrir avec toi et on va découvrir ça ensemble. Alors, on a le petit flyer habituel. Oh, c'est à nouveau! Oh, il est trop beau! Oh, il pète! Oh, j'adore! Je suis en train de voir que parce que derrière, j'ai fait des photos l'autre jour. Ouais, elles sont fades les miennes, mais ça pète. Regarde. Je me suis acheté ça en décembre, regarde. On est sur les mêmes couleurs. J'adore. Bref, toujours est-il, on a toujours le petit flyer qui te dit donc boutique de figurines et de produits dérivés, manga, anime. T'as l'adresse, parce qu'ils ont une boutique, normalement, je pense que c'est l'adresse de la boutique à peau, ou alors c'est l'adresse de leur... Et après le petit flyers un petit peu personnalisé et leurs réseaux sociaux. Mon Facebook, Twitter, Instagram et maintenant ils ont aussi TikTok. Il faudrait qu'ils pensent à rajouter qu'ils ont TikTok. Bref, toujours est-il, oui effectivement je vois que j'ai deux figurines. Donc j'ai la figurine de Hatsume Miku saison 2 de l'automne et j'ai la figurine de Yu-Gi-Oh! Enfin, la série Yu-Gi-Oh! Pop Up Parade avec Yami Yugi. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ce qui me fait bizarre, c'est de faire une double vidéo, enfin, une vidéo double ouverture. Pas de faire une vidéo et une autre. Mais bon, je me dis que c'est pas plus mal. Donc, on va commencer avec celle d'Halloween, vu que c'est celle qui devait sortir en octobre. Et l'autre, c'est celle qui devait sortir en novembre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles sont bien protégées. J'ai oublié de te montrer l'intérieur du colis, mais regarde bien à quel point c'est bien protégé. Parce que là, du coup, le trou, c'est où il y avait ma figurine. Mais tu vois que Figure House protège vraiment, vraiment bien ces colis. J'ai jamais eu rien à dire. Et ça fait 2 ans que j'achète des figurines chez eux et que voilà. Je pense qu'en 2 ans, si ça il y avait eu quelque chose qui m'aurait déçu, j'aurais arrêté. Voilà. Waouh, elle a l'air trop belle. Oh, j'adore. Oh mon Dieu, j'adore. Oh, je suis trop fan. Elle est trop belle. Oh, la boîte à prix d'époque. Un jour, j'aurai une boîte parfaite. Je te montre l'illustration comme ça. Le visuel en illustration. Et là, tu as le visuel de la figurine. Donc, oui,
Si je te montre ça, c'est quand même mignon. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oui, j'y arrive du premier coup, trop bien. Donc voilà à quoi ressemble la figurine. Je te montre de toute façon en fin de vidéo le rendu qui tourne sur le plateau. Tu connais la chanson, tu as habitude avec moi. Donc voilà à quoi ressemble la figurine. Et elle est trop belle et donc elle fait un peu plus de 15 cm. Maintenant, on va attaquer avec la pop-up parade. Donc ce que j'aime énormément par contre avec les figurines de pop-up parade, c'est qu'elles ont directement une boîte transparente et on voit la figurine à travers. Donc en fait, on a aussi ce choix possible de garder la figurine enfermée dans sa boîte et de pouvoir quand même l'admirer. Après oui, c'est sûr, on a l'emballage, etc. qui prend la place et hop. Mais je trouve ça sympa, dans un sens. C'est là, moi, il y a des figurines où je me tâte en fait à chaque fois à les ouvrir. Comme par exemple là, la pop-up parade, parce que je sais que je déménage dans... pas très très longtemps maintenant, à force. On va se rapprocher, j'espère, de la date fatidique. Et donc, du coup, bah, ça fait du travail en moins. Tu vois. Disons que je ne serais pas sur YouTube. Celle-là, je la déboxerai pas, quoi. Très clairement. Donc voilà à quoi elle ressemble déjà dans sa boîte. Je vais te montrer, mais les pop-up parades, par contre, le seul défaut, c'est que du coup, tu n'as rien au niveau emballage, etc. Donc heureusement, normalement, tu as voilà, le nom du personnage ici, tu as le logo de la licence et autres, mais tu n'as pas grand-chose d'écrit, ce qui est dommage, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu vois, mais la figurine n'est pas très large, donc en fait, tu as beaucoup d'emballage plastique et beaucoup de... la boîte est très très grande pour... pas grand chose. Après, je pense que c'est aussi à cause de la taille du socle. C'est le socle et à chaque fois, ils sont quand même mastoc. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de détails ici pour, il me semble, la figurine de la fille dans Kuma 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 Beer, Yuna, il me semble. Il y avait plus de détails. Il me semble qu'il y avait plus de trucs dessus. J'ai fait esprit, j'ai fait tout tomber sur mes jambes vu que je suis assis par terre en tailleur. Donc, il n'y a pas eu de... Oh, la carte, elle est minuscule. Regarde. Je sais pas si tu te rends compte, ma main fait 15 cm. La carte, elle est minuscule. T'as pas intérêt à la perdre, en fait. Hein. Tu la perds, t'es foutu. Ah oui, il faut la coincer entre deux doigts. C'est ça, faut la coincer entre deux doigts. Ah ouais... Bon, je vais la mettre là, histoire d'eux, mais après, en fait, hors caméra. Quand moi, je la mettrai en étagère, je sais même pas si elle rentre dans mes étagères. Je pense qu'elle ira au-dessus. Je mettrai pas la carte parce que j'ai trop peur de la perdre après. Celle-là, t'en as qu'une. Hein. T'as pas une deuxième au cas où. Non, non. Tu perds ta carte, tu perds la carte. Ou alors, tu t'en refabriques une, juste histoire d'eux. Alors, c'est dans ce sens-là, ok. De toute façon, il n'y a que trois trous, donc tu veux dévier vite. Ça, c'est emboîté tout seul. Le socle, il est simple, il est uni. On a Yami Yui comme ça. Voilà, et donc je suis censée... Ah, attends, il n'y a pas le collier. Il est où le collier? Ah, le tout petit truc aussi. Waouh. Eh, c'est de l'abus, ça, par contre. C'est trop petit. Surtout la carte, quoi, qu'il n'y en ait qu'une. Il pourrait au moins mettre une deuxième de rechange au cas où que... Ça peut abuser, quoi. Ben, est-ce que je vais arriver? Oui.
À l'ouvrir, ok. Regarde. Ah, déjà, c'est bien, c'est vraiment amovible. Je sais pas si tu vois, mais tu vois le truc, on peut vraiment le boucher. Et ça aussi, c'est souple, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, tu vois. Donc ça, c'est vachement bien, je trouve. Ouais, on va faire comme ça, je pense. Hop. Je fais hors caméra parce que là, sinon, c'est trop compliqué. Oh, c'est facile. Du coup, t'as le corps comme ça. Tu mets le collier comme tu peux, comme tu le sens, en fait. Tu remets la tête histoire de fermer le socle. Voilà. Et reculant le collier, ça passe. Et est-ce que le collier doit être au vent? On ne montre pas vraiment. Si, le collier, il est un peu au vent comme ça, d'accord. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Et tu vois, le collier, du coup, il bouge et c'est au vent. Enfin, tu vois, c'est le... Ah, putain, ça fait le focus sur moi, j'avais pas capté. Le fait qu'il soit vraiment dans les airs comme ça, le collier, c'est tout à fait normal. Voilà. Et donc, la petite carte, on va essayer de la rajouter. C'est pas évident, hein. Voilà. Thank you.
que c'est tout en ce qui concerne cette double ouverture de figurines. N'hésite pas à me dire quelle était ta préférée. N'hésite pas à me dire aussi dans la série Yu-Gi-Oh! Quel est ton personnage préféré. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve aussi en 2022 pour plein d'autres ouvertures de figurines. Comme je l'ai évoqué et je le redis ici, j'aimerais savoir si vous préférez que je continue de faire en face cam et etc. et parler, ou est-ce que vous préférez un format muet et face à une table, etc. Parce que je me tâte vraiment. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Là, les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Et n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos du coup pour avoir le code promo pour aller sur Figure House et avoir une petite réduction quand tu fais un achat. Sur ce, à bientôt.